toi qui nous as formés dans le sein maternel, toi qui sais quand je me lève et quand je me couche, toi qui connais toutes mes voies, toi qui diriges mon sentier, éternel des armées, je viens prier ce matin contre tout voile, ô Dieu, que tu as déterminé, que tu arracheras dans ma vie, ô Père, que tout voile posé sur nos vies, Seigneur, par les forces des ténèbres pour nous aveugler et nous nuire, qu'il soit déchiré, Père, qu'il soit déchiré, Père, que ce qui nous empêche d'avancer, de voir de l'avant, de voir au-delà des limites que la nature, que les ténèbres, oh Dieu, veulent nous imposer. Que tout voile, Seigneur, placé, oh, positionné dans nos vies par les forces des ténèbres, pour nous maintenir dans un aveuglement diabolique, sera déchiré au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je déchire le voile de la pauvreté au nom de Jésus. Je déchire le voile des limitations au nom de Jésus. Je déchire le voile qui m'empêche de voir l'origine, la cause des maladies dans ma vie au nom de Jésus. Père, je prie dans le nom de Jésus que tout voile occulte, que tout voile inculte, que tout voile ancestral, que tout voile de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, qui opérait encore contre ma vie, soit déchiré, que le voile soit déchiré, que le voile soit déchiré, quel que soit le voile, Père, qui empêche la prospérité à tous égards et la bonne santé que tu m'as promis. Je commande que ce voile soit déchiré. Je commande que tout voile des ténèbres posé sur ma vie pour me tendre des pièges, afin que je tombe dans les pièges du diable, que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Père, que tout voile qui nous maintient dans l'ignorance, dans quelque domaine de notre vie que ce soit, qu'il soit déchiré, que ce voile soit déchiré, que ce voile démoniaque soit déchiré. Père, nous refusons de vivre voilé. Nous refusons de décider sous un voile. Nous refusons, ô Dieu, d'opérer sous des voiles. Au nom puissant de Jésus, Père, l'ennemi nous voile pour nous garder dans des émotions. Il nous voile pour nous garder dans l'ignorance. Il nous voile pour nous garder dans la peur. Mais nous venons par la vertu du sang et du nom de Jésus rejeter la peur, rejeter l'ignorance, rejeter toute forme d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons au Père, mon Dieu et mon roi, nous déclarons que ce matin, le voile tombe, le voile tombe. Tout voile qui m'aveugle dans ma vie financière, qu'il tombe au nom de Jésus. Tout voile qui m'aveugle dans le pillage des ténèbres, ô Père, dans un quelconque domaine de ma vie, je commande que les voiles occultes tombent, que les voiles incultes tombent, que tout voile démoniaque ne résiste pas, ne demeure pas, mais qu'il tombe au nom puissant de Jésus. Écoutez bien, peuple de Dieu. Quand nous prions pour que les voiles tombent, je veux vous dire à quoi vous attendre. Vous allez commencer à réaliser des choses que vous ne réalisiez pas. Vous allez commencer à comprendre le faux jeu dans lequel quelqu'un vous gérait et vous ne voyez pas. Vous allez subitement commencer à discerner. Vous savez, quand le voile tombe, vous commencez à voir les choses différemment. Vous ne les voyez plus selon une émotion, selon une impulsion légère, mais vous voyez les choses pour ce qu'elles sont réellement. Vous allez voir même des entreprises dans lesquelles vous vous êtes lancé qui étaient en fait une erreur fatale. C'était en fait une entreprise
basé simplement et uniquement sur les émotions. On vous a vendu une fausse vision. Est-ce que vous savez qu'une fausse vision, c'est un voile? Parce que tu poursuis quelque chose qui ne va jamais arriver. Je déclare que toute fausse vision, agarakatakata, que toute vision mensongère, opère, que toute fausse vision qui contrôle et dirige nos actions et nos décisions, que cette fausse vision soit déchirée, que ces fausses visions, ces fausses inspirations, oh Dieu, soient déchirées et révoquées. Qu'elles soient déchirées et révoquées. Qu'elles soient déchirées et révoquées. Que les fausses visions soient déchirées et révoquées. Déchirées et révoquées au nom puissant de Jésus. Nako, nako, nako. Nako dabagadaga. Regedegedegede. Père, nous prions que tu envoies maintenant pas moins de 12 légions d'anges pour déchirer le voile sur nos vies. Père, que tes anges déchirent le voile. Que tes anges déchirent le voile. Que tes anges déchirent le voile. Que tes anges déchirent tout voile occulte, tout voile inculte dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, Père, que tout voile sur nos vies soit arraché, 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 déchiré au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le puissant nom de Jésus, la main de l'Éternel me délivre maintenant. La main de l'Éternel délivre mes enfants maintenant. La main de l'Éternel délivre ma maison maintenant. Je décrète et je déclare la délivrance de l'Éternel sur ma vie. La délivrance de l'Éternel sur mes finances. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel me délivre de la main des autels de ma famille paternelle. Que l'Éternel me délivre de la main des autorités, des dominations, des princes de ce monde des ténèbres qui m'avaient enfermé dans des cavernes, lié dans des cachots. Père, que ta main délivre quelqu'un de l'influence des alliances avec les démons, de l'influence des alliances ancestrales et parentales avec les forces des ténèbres. Père, nous crions, délivre-nous par ta main puissante au nom de Jésus. Délivre-nous, ô Père. Délivre-nous, ô Père. Délivre-nous, ô Dieu, par ta main puissante. Je commande la délivrance. Ce matin, Père, ô Dieu, tu m'as demandé de prêcher la délivrance aux captifs. Que toute personne sous le timbre de ma voix qui serait captif des ténèbres dans quelque domaine de sa vie soit maintenant délivrée, 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 libérée de toute emprise du diable sur ta vie au nom de Jésus. Je prophétise la délivrance. Je déclare la délivrance. J'affirme la délivrance. Quel que soit le domaine de ta vie où les ténèbres te retenaient, te voilaient, la main de l'Éternel te délivre maintenant. La main de l'Éternel nous délivre maintenant. La main de l'Éternel nous délivre maintenant. Je décrète et déclare que nous ne servirons plus de piège, oh, entre les mains du diable. Nous ne servirons plus de piège. Nous ne servirons plus de piège au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh, les voiles des ténèbres ne vont plus nous piéger. Les voiles des ténèbres ne vont plus nous piéger. Je décrète et déclare que tout voile démoniaque qui était posé sur nos vies ne serviront plus de piège dans nos vies. Je déclare que les voiles occultes
ne serviront plus de piège. Que tout voile qui te piégeait reçoive le feu. Que tout voile qui nous piégeait, qui nous enveloppait, qui nous environnait, reçoive le feu, reçoive le feu, reçoive le feu. Que tout voile de piège. Ah, je vois des gens qui sont dans une servitude très démoniaque. On t'embarque dans tel business, tel projet du siècle, et là, tu es convaincu, oh, wow, Dieu, oh, c'est l'Éternel. Écoutez, ce n'est pas toute l'entreprise qui est l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu pries avant de le faire que c'est l'Éternel. Arrêtez un peu, arrêtez un peu. Mais on t'a vendu une vision. Et comme tu as soif d'accomplir des choses dans la vie, mais tu mords dedans. Tu mords. Et tu vois Dieu partout là-dedans. Et Dieu n'est pas dedans. Mais on est en train de profiter de toi. On a placé sur toi un voile qui est pour toi un piège. Un voile, c'est une fausse vision. C'est des fausses aspirations, c'est des fausses inspirations. Et quand tu les suis, mon frère, là, le niveau de servitude dans lequel tu es fier d'être esclave. Mais je déclare ce matin que le voile qui servait de piège entre les mains de l'ennemi sur ta vie reçoive le feu. Reçoive le feu. Reçoive le feu. Que le voile utilisé comme piège par l'ennemi pour te séduire, pour te garder dans les mains du diable, que ce voile soit brûlé, que ce voile soit brûlé, que ce voile soit brûlé au nom de Jésus. Dans mon pays d'origine, le Cameroun, les gens connaissent ce qu'on appelle les féman. Quand un féman te rencontre, quand il te parle, on dirait qu'il entre dans ton esprit avec des mots tellement gentils et il ne te brutalise pas. Non, non, non. Il est toujours au pas de la porte. C'est-à-dire que si tu ne veux pas écouter, regarde, laisse, hein, tu veux passer à quelqu'un d'autre et la chance ira à quelqu'un d'autre. Écoutez, ne vivez pas à la recherche des chances. Ne vivez pas à la recherche des opportunités. Vous êtes la chance. Vous êtes l'opportunité de tout partenaire d'affaires qui s'engage dans les affaires avec vous. C'est votre étoile qui brille. Et c'est après votre étoile que la terre entière est en train de courir. Ne regardez jamais un partenaire en affaires comme étant une chance pour vous. Vous n'avez pas besoin de chance. Vous avez besoin que Dieu soit dedans. Père, je commande que toute personne qui passe à travers des afflictions reçoive la guérison de son cœur. Que toute personne qui a le cœur brisé reçoive la guérison. Reçoive la guérison. Reçoive la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute affliction occulte et inculte dans ta vie soit enlevé. Tous ceux qui ont été gravement blessés, qui saignent dans leur cœur, je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison dans ton cœur. Je proclame la guérison dans tes pensées. Je proclame la guérison dans ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ikora katarabashata. Yoroko shikarababasa. Ikoroko torobobosha. Yarababa kashikorobobosha. Yarababa kashata. Oh! Alléluia. Nous allons entrer dans une opération de dévastation.
Mm-mm-mm-mm.